Salut tout le monde, c'est Golden, j'espère que vous allez bien, tout ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de Medievalia. C'est censé être l'épisode 6. Oui, parce que l'épisode... J'avais déjà tourné l'épisode 4 et l'épisode 5, mais j'ai perdu les données. Malheureusement. Donc ce qui s'est passé dans l'épisode 4, c'est que nous avions fini la quête de l'épée. En fait, on avait juste fini la quête de l'épée et on avait arrêté là. Et à l'épisode 5, j'avais commencé la quête, j'avais commencé et fini la quête de l'armure pour récupérer l'armure. Et après, j'avais fait quête de l'apiculteur. Donc, je vous montrerai la maison dans cette vidéo. Ainsi que je ferai un tour, on se tournera dans le temple, non c'est pas un temple, c'est où on trouve l'armure pour vous présenter un peu le build, ou pas, je pense que je vais vous le montrer quand même. Donc voilà. Oula non. Donc dans cet épisode-là, ce que j'avais fait, normalement ce qu'on devait faire, ce que j'avais dit faire dans cet épisode-là, dans l'épisode 5, c'est que j'allais arrêter un peu les quêtes. Penser à faire la build de la maison. Donc, excusez-moi. Donc le build de la maison, je sais déjà. Elle va ressembler exactement comme je vous ai dit au la forge à peu près à la forge du forgeron des héros mais que le milieu pas, que la maison pas le truc où ce côté il n'y aura pas ceci donc vous verrez. Vous verrez parce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, petite ellipse de la maison. Donc, heureux tout le monde. Donc, voici la maison. Elle va ressembler à ça. Vous voyez, à peu près la même chose que... ça s'appelle... je viens de le dire tout à l'heure. Hein. La forge, voilà. Et ça lag à cause des poules qui sont juste là. Hein. Elles font bien chier. Hein. On va pas faire d'élevage de poules parce que regardez-moi ça. Oh putain. Mais regardez-moi ça. C'est qu'en fait, les poules elles-mêmes pondent des œufs, je crois, toutes les je sais pas combien de minutes. Et font la même chose, mais des œufs. Comme ça, ils font spawn plein de petits poussins. Et ces petits poussins, ils grandissent. Tiens. Alors que... Voilà quoi, c'est chiant. Puis Pégase, là, il est en stress. Il n'y a plus de place pour avancer. Le pauvre. Donc... Donc vous avez la maison qui sera ici, elle est sur 3 étages, ainsi que l'enclos que je vous avais parlé pour Pégase qui est là. On ne mettra que Pégase à l'intérieur, hein. Un grand enclos pour lui. On a un champ juste là, de blé que j'ai mis là. Donc les blocs verts, hein, ne vous inquiétez pas, c'est des blocs repères pour savoir combien de blocs il faut que je fasse. Parce que j'ai fait le calcul de combien de blocs il me fallait... la hauteur, les longueurs, tout ça, parce que je l'ai fait moi-même cette maison et sans tuto. Donc voilà. Donc l'intérieur, elle est décorée. C'est sur 3 étages, comme je vous le dis, elle va être décorée pareil. Là, on a 2 fumoirs pour faire à manger. On a un ça juste pour la déco. On a des pommes. Des étagères, là on a une table de craft, encore des pommes, étagères au-dessus. On a une petite table tranquillement. Et une petite bibliothèque là. Donc voilà. Ici on a
On a la chambre. Donc on a un petit bureau juste là, avec une petite bibliothèque. On a deux bibliothèques ici, ainsi que un lit double et quelques tables de nuit juste là, avec. Je contrôle mal. Là, on a un petit jukebox avec une bibliothèque juste là. Voilà. Et là, on a le dernier étage où j'ai mis des bidons. Parce que les coffres, bah, on ne pouvait pas les ouvrir parce qu'au-dessus, c'est des blocs pleins. C'est compliqué, ça bug beaucoup. Donc voilà. Là, c'est pour donc l'intérieur. L'extérieur aussi a énormément de détails. Donc voilà. Ça, c'est une banque de bois. Je sais pas qu'est-ce que ça fout là. Donc là aussi, donc on a un rangement. Ah, mais j'arrive pas à descendre. Voilà. En arrangement, j'ai juste mis des blocs repères pour savoir combien il fallait de blocs pour le sol et tout. Donc on a tous les rangements et en dessous on aura donc une autre, on aura une cave avec les armures, tout ça avec des endroits cachés. Je ferai ça donc avec vous dans cette vidéo. Si la porte veut bien se fermer, voilà. Et là on a la grange. Il n'y aura pas de poule à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Les poules ne seront pas là. Compliqué à faire. Il y aura juste le cheval et peut-être quelques autres animaux. Animal. Oh, j'ai du mal. Vraiment. De toute façon, on n'est pas là pour critiquer. Donc voilà. Voilà le build entier. Donc aujourd'hui, on va tout simplement en fait attaquer cette partie-là. Et je pense que dans cette vidéo, on fera juste cette partie-là. Le bas, la base. La base entière. Donc voilà. Donc j'ai déjà récupéré toutes les ressources. J'ai pas récupéré exactement les ressources qu'il fallait parce que je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait comme ressources. Alors, parce que je me suis pas embêté à calculer toutes les ressources qu'il fallait. Donc j'ai pris 4, 3, 4 bleus, 3, 4 stacks pour tout faire. Et j'ai trouvé comment craft. La terre, le béton, le béton blanc. Donc j'ai tout préparé pour faire ça. Ce qu'il fallait du sable, il faut du sable, il faut du gravier et de la teinture blanche, ce qui nous donne de la poudre de béton. Et cette poudre de béton, il faut la mettre dans l'eau. Donc il faut faire ça. Donc voilà. Donc petite ellipse, et on se retrouve juste après. Donc, alors, voyons voir. Paf, paf, paf. Donc, je vais vous présenter déjà un peu notre équipement. Oh là, le casque est cassé, je l'ai pas vu. Il faudra que je me refasse une armure. Tout est là. Donc, là, c'est l'armure plus l'épée. Je vous montrerai les enchantes qui sont dessus. Et dans ces deux coffres, il y a toutes les ressources pour faire à peu près la maison. Donc j'ai rangé un peu tout ce que j'ai. D'ailleurs j'ai le bois que j'ai ici que j'ai ramené pour... Ouais, c'est pour ça, c'est ça. Ce bois-là était censé aller là. Voilà. Non, ça, ici. Voilà. Ce craft, c'est genre... Ça, c'est un animal géant. Monstre marin. Qu'on mettra peut-être dans un enclos. Je les craft, mais vraiment le craft est bizarre. Hein. C'était du bois plus des pommes. Je pense que le craft était buggé. Mais en tout cas, on va mettre l'œuf précieusement là-dedans. Donc en ressources, on est plutôt pas mal. On a beaucoup d'émeraudes, beaucoup de diamants. Donc on est pas mal. Aussi, hein, on a beaucoup d'équipements. J'ai fait le vide, hein. J'ai mis dans la lave, j'ai supprimé tout ce que j'avais pas besoin, genre les épées. J'ai beaucoup d'épées en métal, ça sert à rien quoi. Donc j'ai plein de fours ici, c'était pour faire cuire la pierre. Ceci.
On a tout ça, on a à peu près, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 stacks de planches.15 stacks de cobble. Peu près 5 pierres taillées. On a 13 de l'escalier, on peut faire plus. Il va falloir que j'en cuis plus. Donc je pense que je vais faire ça. Voilà. On a encore 1, 2, 3, 4, 5, 7 bûches. 7 stacks de bûches. Plus 10. Oh non, c'est donc c'est moins, c'est 6. On a 3. On a 3 stacks de gravier plus 8. Ainsi que. C'est plus 9. Plus. 3 stacks de sable plus 8 ainsi que de la teinture blanche. Pour la teinture blanche, en fait, au début, je cherchais. J'ai eu peur de devoir me la giver parce que je trouvais pas en fait la seule façon que j'avais au début pour en avoir le muguet. Mais le muguet, c'est une fleur assez rare, je la trouve. Allez, il n'y en avait aucune. Comme j'en avais pas trouvé ici, et bah je me suis dit bon bah je vais devoir me la guider. Donc je me le suis guidé. Et juste après j'ai voulu m'occuper de mon champ. Et donc simplement avec de la poudre rose. Et merde. Voilà. Donc avec de la poudre rose. Et donc la poudre d'os, je l'ai mis dans ma poudre de craft sans faire exprès. J'ai vu que la poudre d'os peut se transformer en s'appelle la poudre d'os pourrait se transformer tout simplement. Je perds mes mots en teinture blanche. Voilà. Oui, non, ne vous inquiétez pas de ce trou. Dans l'épisode 5, j'avais énormément de bugs. Et merde. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de bugs. C'était vraiment des bugs de ouf. Ça ralentissait. J'avais beaucoup, beaucoup de bugs, comme je vous dis. On va remonter en créa parce que c'est chiant. Que je rebouche ça. Et j'ai découvert en fait la source. C'est comme je vous avais expliqué le problème avec les poules, c'est qu'il y avait une seule poule qui est tombée dans ce trou. Au début il était pas aussi grand, hein. Il devait arriver genre jusqu'à là où je suis. Une seule poule, voilà, il y avait qu'une seule poule à l'intérieur et elle a pondu un œuf. Vous savez, le bébé, il a grandi, il a fait un œuf. Ça fait ensuite avec les deux, ils ont fait 2 œufs, ça fait encore 2 poules, ça grandit. Et au fur et à mesure, il s'était rempli. Il y avait au moins une vingtaine de poules ainsi qu'une trentaine de... Hein? Je peux vous dire que ici, ça allait un peu, ça buguait pas beaucoup. Quand plus t'approchais du trou, plus ça ralentissait, et à un moment je suis tombé dedans pour essayer d'en tuer et je pouvais plus bouger. Je pouvais plus du tout bouger, je pouvais plus taper, c'était en ralenti, ça buguait tellement. Alors ça m'a mis en créatif, j'ai sorti une TNT et j'ai tout fait exploser. J'ai dû utiliser 4-5 TNT parce que c'était pas beaucoup d'effets. Donc, ah, survie, paf, non, je vois pas, survie, paf, paf. Donc, bouffer, on va bouffer un peu, carte dorée. Je suis passé aux cartes dorées, hein, parce que ça commence à devenir chiant de manger toujours. Faut manger un peu des légumes, donc des carottes dorées, c'est très bien. Non mais non, oh, oh putain, toi tu te jures, je te jure, tu dégages.
Les fourmis sont super chiantes, elles viennent dans tes champs et elles pompent, elles bouffent le champ en fait. Ce qui ralentit la poussée et des fois elles arrivent à remettre la pousse du blé à zéro. On récupère le blé qui est là. Voilà. Je me demande est-ce qu'on peut replanter ça. On peut pas replanter ça. C'est dommage. Dommage, dommage. Voilà. Donc, bah, il fait nuit. C'est parfait ça. On va faire dodo. Et on va se craft le béton. Pour le béton, c'était vite. Donc, avant, petite ellipse, je fais un ménage dans mon inventaire. Et voilà. J'ai mis aussi la cobble à faire à fondre. Pouvoir faire de la pierre taillée. Donc, on prend le sable. On aura besoin du sable. On aura besoin du gravier. Et on aura besoin du coral blanc. Et on va pouvoir se craft avec tout ça du béton. Voilà, donc on a combien de stacks? Ouh, on en a assez, hein. Bon, ça va prendre beaucoup de temps à faire. Je me demande juste un truc, est-ce que si je le jette juste dans l'eau? Si je le jette juste parce que, si je me rappelle bien, merde. C'est comme du sable, tu vois. C'est comme du sable. On va prendre une pioche. Quand même, hop, une pioche. Ah, j'ai pas besoin de torche. Mais je prends la carotte que je vais mettre là. Voilà. Donc. C'est comme ça. Donc. Hop, vous voyez, je le mets dans l'eau et ça s'en sort mon béton. Voilà. Donc là, on a notre béton. Mais est-ce que si. Parce que ça va être chiant de tout faire comme ça. Non, c'est nul. Comme ça, j'en ai récupéré 15. Et où le reste? Comment ça? Ah bah d'accord. Ah ok. Donc tu jettes ça dans l'eau, t'en perds la moitié. Non. Bah. Et voilà, donc, paf, paf, paf. Bon, on va devoir. Et surtout, la boulette, c'est que. Ah là là. Bon, je pense qu'on sait un faux seau d'eau. Bon, petite ellipse. Voilà, donc, re. Donc c'est bon. J'ai à peu près 6 stacks de béton blanc. J'ai pas tout fait hein, de toute façon parce que ça a été trop long. Alors j'ai jeté ça dans la lave, ça me servira plus à rien de toute façon. Et je pense pas que j'avais besoin de plus. Donc voilà. Eux, ils sont à où? Ils sont finis. Là, c'est parfait. Hop. Un stack de pierre, on va pouvoir voilà, faire ça. Hop, ça nous fait un stack. Et voilà. Et donc, bah, on va partir créer tout ça. On va dormir. On va manger. 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 Paf.
Eh oh, qu'est-ce que tu fais fuir? Mais il est. Ah non, je crois que t'étais détaché. Tu m'as fait peur. Oui, par contre, je sais pas. Depuis, j'ai installé un nouveau mode. Oui, il y a un nouveau mode, je vous ai pas parlé. D'ailleurs, faut que je vous présente aussi ce coffre-là. Donc, chez l'apiculteur, il m'a vendu des choses. Il m'a, au début, il vendait une ruche. Une ruche en bois, tu vois, les ruches qu'on peut créer, crafter. Contre des rayons de miel. Et moi, je savais pas comment on récupère les rayons. Je sais plus du tout comment on fait. Je crois que c'est avec un ciseau on récupère comme ça, mais je sais plus. En tout cas. Et donc, ils vendaient aussi des blocs de rayons de miel. Alors, je me suis dit, peut-être que ces blocs de rayons de miel, ils sont genre. Non, je veux pas attaquer le Minotaure. De toute façon, en plus, il y a une hiverne juste à côté. On peut pas les retransformer en rayons de miel. Un peu con quand même. Et donc, j'ai pas pu me l'acheter. Déjà, j'ai dépensé beaucoup de trucs pour les blocs de rayons de miel. C'est quand même, j'ai galéré à trouver toutes les fleurs qu'ils voulaient pour faire pour le bloc de rayons de miel. Et donc, j'ai pas pu. Et j'ai dû me contenter de ruches normales. Donc j'ai dû récupérer les fleurs normales pour récupérer les ruches normales. Comme ça, on se craftera nous-mêmes ces ruches-là quand on aura récupéré le rayon. Et comme on va s'attaquer aussi bientôt à l'apiculture, j'ai installé un mode qui a un rapport avec l'apiculture, qui s'appelle Queen Bee. Queen Bee. Bee, moi tout dans le genre. Ça rajoute la reine des abeilles. J'ai à peu près tout ça dans mon coffre pour l'apiculteur. J'ai deux ruches. Donc de la miel qui sont là, j'ai les fleurs et j'ai un pot de miel. Et donc le mode, il rajoute donc la reine des abeilles ainsi que la gelée royale. Donc la gelée royale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du miel plus puissant que le miel en fait, c'est comme du miel mais en plus puissant, qui est réservé à la reine des abeilles. Ou non, je crois que c'est plus. Non, non c'est pour c'est réservé aux enfants de la reine des abeilles, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai vu et ça coûte très très cher dans la vraie vie parce que c'est très difficile à faire, quoi. Ça se récupère dans des cocons et chaque cocon. Au moins 2-3 gouttes, hein, au moins une ou deux. Donc voilà, donc là c'est un peu moins compliqué, je pense. Ça faut juste craft avec des blocs, des blocs de verre. On peut se craft ce qu'on veut. Et non, je crois que j'ai plus de sable. Hein. Ouais, si j'ai encore un peu. Et on se fait des bouteilles de gelée royale, puis voilà. Donc, sinon, mais on va commencer. Petite ellipse. Donc, on va commencer à. Ah, il faut les blocs aussi. Hein. Il me faut peut-être les blocs. Je vais les chercher, on se retrouve là. On se retrouve après. Voilà, on y est. Donc pour la base, je vais juste prendre mon cahier où j'ai marqué les mesures. Donc la base, elle est de 11 blocs de longueur. Déjà, on va commencer par la longueur. Donc la longueur, c'est de 11 blocs. La porte se trouve sur la largeur. Donc ça veut dire que je veux que la porte se trouve par là. Je veux que sa porte se trouve ici. Donc, on va peut-être avant. Donc, c'est de 6 blocs. On fait une largeur de 6 blocs. Non, la largeur, c'est en cobble. Oui. Bon, on se retrouve juste après. Et voilà, donc. La largeur, on a dit c'était 6 blocs. On va commencer. Alors là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà. Donc, on va dire 6. Vous faites une largeur, la largeur est de 6 blocs.
Ensuite, le reste est de 11 blocs. Par contre, pour la largeur, parce que ça a été compliqué, vous allez rajouter en fait hop, un bloc là. Ajouter un bloc là. Et vous faites 11 blocs. Donc 1, 2. Là, on en a posé 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Et on est à 11. On fait 6. Donc on revient comme ça. Et on fait comme ça. Alors vous n'allez pas me saouler. Vraiment qu'ils fassent une touche pour les supprimer. Ils sont chiants. C'est vraiment des chieurs, ça. Hein. En vrai, j'aurais dû regarder, ça se trouve, ils vendaient des ruches pas chères. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. J'aimerais juste une pelle, s'il vous plaît. Une pelle en diamant, si possible. Et on va creuser le sol. Donc creux. C'est bon. Donc, vous faites le sol en briques de pierre. Et vous montez le mur de carte de 4. Donc il faut que le mur soit de 4. Contre vous, vous allez pas me saouler, je vais aller dormir. Petite ellipse donc j'aille dormir. Et ben voilà. Donc, on va à la maison. C'est parti. Donc après, on va passer un peu à l'esthétique quand même. Je vais pas avoir assez de briques, mais c'est pas grave. Donc vous allez faire simplement comme ceci. Vous allez faire les côtés avec ça. Faut que ça ressemble à un truc comme ceci. Non, ça on va le faire à la fin en fait. Pas tout de suite. Donc voilà, on va avoir besoin de bois. Pour les bûches, vous allez tout simplement monter de 5, 2, 3, 4 et 5. Et vous allez faire ça sur tous les côtés. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. Et par ici. 1, 2, 3, 4, 5. On a monté de 5. Maintenant, ici, il va falloir compter quelques blocs. 1, 2, 1, 2, 2. De 2, je crois. Hein. Non, c'est 3. Voilà. Paf. Non, faut que ça soit de 2 de chaque côté. Ouais, non, c'est pas ça. C'est de 1 de chaque côté. Voilà. Sur les largeurs. Sur les largeurs, vous allez mettre. Vous allez partir. Et merde. J'ai oublié que les haches font ça maintenant. C'est chiant. Je pense que je peux les transformer en quelque chose d'utile de toute façon. Hop. Vous allez partir donc, vous allez faire un bloc, simplement. Un bloc d'écart entre cette poutre du milieu et là. Pour que ça fasse entre les deux, deux blocs pour faire la porte. Voilà. Et pareil pour là. Voilà. Vous ne mettez pas, c'est juste pour moi pour passer. Et vous allez faire pareil à l'arrière. Vous allez compter un bloc. Hop.
1, 2, 3, 4. Ensuite, paf. Je passe 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça va faire ça. Et ensuite, sur ces côtés-là, je ne me rappelle plus. Donc je vais faire une ellipse et je vais retourner sur l'autre map. Alors, c'est bon. Donc là, j'ai pris en photo. Donc c'est comme ça, si. Donc c'est 1. On part, donc ça c'est l'entrée. Donc c'est 2, 1, 2, 1. Donc c'est 2, 1, 2, 1. Donc l'entrée qui va se faire là. Et donc, déjà on va couper ça. Donc c'est 2 de bloc 1, 2, et là c'est 1. Et on monte ça de 5. 1, 2, 3, 4. C'est pas grave. Et on finit par faire comme ceci. Et ensuite, je vais récupérer ça. Déjà, les blocs qui sont là. Déjà, vous pouvez casser ça. Vais remonter. Je vais remonter là, si possible. Voilà, donc là, donc c'est. C'est là. Ok. Donc là, on fait ceci. Ça, on fait comme ça. Et ça, on monte encore de 1. Et ensuite. Donc ça ressemblait à ça. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est 2. 2. Hop, hop. Paf, paf. Paf. Paf, voilà. Ouh, j'ai cru qu'il est tombé. Paf. Et voilà. Ensuite, donc là. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et voilà. Donc là, on a la base des côtés. Et maintenant, on va faire ça pareil là. Donc c'est comme ça. Ensuite, là, vous faites le 2 pour la porte. Et là, c'est encore 1. Et on a la base aussi de là. On va descendre. Et on va faire la même chose de ce côté. C'est très simple, c'est tout con. Donc là, c'est 1, 2. Voilà. Et ensuite, bah, ça va être la fin de cette vidéo. Je descends.
Donc dans la prochaine vidéo, on continuera. Hein. Déjà, on est comme ceci. C'est un peu carré, donc ne vous inquiétez pas, on va arrondir tout ça dans le prochain épisode. Comme quand je dis arrondir, hein, ça donnait des détails pour faire ressortir les détails sur les côtés. Pas que ça soit trop carré, parce que là c'est carré quoi. En fait, c'est ce que je dis souvent au builder, parce que moi c'est ce que je fais généralement. Minecraft est assez carré comme ça, hein, et composé à 100% de pixels. Et donc, créer des bâtiments encore plus carrés, ça sert à rien, c'est moche. Donc, faut arrondir en mettant des détails. Arrondir tout ça, sortir des détails, des blocs sur les côtés. Comme on va mettre, par exemple, on va mettre là des piliers sur les côtés. Vous verrez. Et donc voilà. Donc déjà, on est bien. Là, il y aura un escalier. On est assez bien pour l'instant. Et voilà. Et donc, sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, lâchez un like et abonnez-vous. Si vous n'avez pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochains épisodes qui vont arriver dans pas longtemps. Donc, sur ce, c'était Golden. À plus.